vous fais cette petite vidéo pour vous montrer la Rolls de ce qui se fait dans le camping-car, qui est le Francia 8400 GD Platine. Motorisation Mercedes, 6 cylindres, 190 chevaux, boîte automatique. Extérieurement, on a des choses à se dire. Un magnifique sort de civette électrique. Notre antenne SAT automatique 4,5 cm twin. 4 panneaux solaires de série sur le toit. Une clim pneumatique. Nos jantes sur un roue jumelé. L'emplacement de notre deuxième cassette. Ah, j'avais oublié le rangement extérieur. Qualité de rangement. C'est un véhicule qui en a tellement de qualité. Voilà ses rangements. Un tiroir rétractable pouvant accueillir 100 kg. Une énorme soute avec une ouverture sur le latéral avec le passage du chauffage Aldé et une ouverture sur l'arrière. C'est l'admiration. Sur ce véhicule, nous sommes partis sur une caméra Birdview, vue à 360 degrés, donc avec une caméra à l'avant et à l'arrière, et sur les côtés. Cette lumière bleue. Et bien cette lumière bleue, elle cache l'ensemble des éléments électriques de votre véhicule, que ce soit le booster de charge, le convertisseur, tout ce qui est partie fusible. Alors vous me demanderez, pourquoi un convertisseur? Et bien tout simplement, parce que ce véhicule, je dis bien ce véhicule, est composé de deux batteries lithium de série. Autant dire que l'autonomie n'a plus de secret pour vous. Une douchette extérieure, en sachant que nous avons une prise de gaz extérieure pour les barbecues de l'autre côté. L'emplacement de notre cassette toilette en fonctionnement. Une accessibilité à la réserve des eaux usées ainsi qu'à votre pompe à eau. Le chauffage Aldé, bien sûr, cette série. On a le tuyau pour le remplissage de la réserve d'eau propre. Le tuyau flexible pour l'évacuation des eaux usées. Et notre allonge de 15 mètres avec enrouleur pour l'électricité. Un marchepied électrique conducteur a été rajouté sur ce véhicule pour faciliter la descente. Splendide. Sur le dessus, vous pourrez retrouver la caméra que je vous ai parlé tout à l'heure pour la Birdview à vue à 360. Les vitres latérales sont en double vitrage. Pas le pare-brise pour une question de sécurité. Le volet avant d'occultation est électrique. Allez, on va le découvrir à l'avant. À l'intérieur du véhicule, bien sûr. L'entrée. On se met d'accord. Trois ancrages au niveau de la porte. En métal. La porte, là. Elle est en acier. Je ne sais pas plus fort. Vous avez tout compris. Ouverture d'aviation. Rien qu'à la fermeture de celle-ci, on a compris. Ça sent costaud. L'éclairage au-dessus de la porte. Et un marchepied électrique. Très 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 grand salon. Donc nous sommes sur une banquette face-face avec un simili cuir vanilla qui donne une réelle gaieté au produit avec des tons très clairs. Le véhicule est très vivant. Nous sommes partis sur une table avec rallonge qui se situe juste ici pour donner un plus grand plateau. Un siège conducteur et passager très confortable, ceinture intégrée. Nous avons une belle prise au niveau des épaules et au niveau de l'assise. Le poste de conduite est juste magnifique. Donc nous avons notre caméra Birdview 360 qui se situe sur la gauche,
Sur le dessous, nous sommes sur des éléments pour le volet électrique avant. Notre volant avec ses commandes. Sur la droite de celui-ci, notre commande Mercedes pour la boîte automatique et un système de navigation Mercedes Truck. Il ne reste plus qu'à partir découvrir le monde. Pavillon deux personnes qui est électrique. Allez, on va aller découvrir un petit peu l'arrière. Regardez-moi cette vue. La cuisine, donc la cuisine avec l'ensemble de ses rangements. Une plaque de feu. Énormément, énormément, énormément de rangements sur le dessous de celle-ci. Votre évier qui est démontable, bien sûr. Et le petit point plus qui peut toujours servir. Notre rallonge de cuisine qui peut faire des fois nous faciliter les tâches. En face de la cuisine, les verres pour l'apéro, bien sûr, ça n'a pas de prix. Notre télévision qui est fournie de série. Juste à côté, notre four à gaz et notre frigo avec congélateur très volumineux. Sur la droite de celui-ci, encore, encore, encore du rangement. Nos vases d'expansion LD. Une très très grande douche, très bien éclairée. Une clim de série réversible, chaud, froid. Ma porte de séparation sur la droite pour ma chambre. Ma porte de séparation sur la gauche pour le salon. Derrière moi, mon toilette, mon évier et mon radiateur du chauffage LD. Du rangement, il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Nous sommes sur un lit jumeau qui permet de pouvoir exploiter l'intégralité du lit, que ce soit à gauche et à droite. Des rangements sur l'intégralité de la chambre. Des petites liseuses. Tout est bien fini. L'accessibilité est très 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 facile. Nous pouvons même voir le passage du chauffage LD. Jumeau chez Francia, une chose est splendide. Les rangements. Je vous en parle depuis tout à l'heure, vous en avez partout. Mais la particularité du lit jumeau, c'est qu'il nous permet d'avoir une penderie qui est très accessible, pas besoin de contourner le lit. Tout se présente à vous très facilement. Et ça, de chaque côté. La visite de ce Francia 8400 GD Platine est terminée. J'espère que cette petite visite vous a fait plaisir. Je voulais vous présenter vraiment ce qui se faisait de plus beau chez nous à l'Estringue à Beauvau-en-Cambrésis. Un plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas à demander Paul Delière au 03 27 76 56 80 pour de plus amples renseignements. À bientôt!